Bonsoir mesdames, messieurs. Je suis ravi que la sculpture ouvre le banc. Alors ça s'appelle aussi essuyer les plâtres, je crois. Donc on va un peu inventer. Je remercie Luc Bignol-Lafond de m'avoir proposé ce projet. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de vous parler d'une sculpture un peu discrète que vous remarquez pas forcément dans les collections lorsque vous venez les visiter, ce dont je ne doute pas. Voilà, une sculpture de Jules Salmson, qui est un sculpteur du Second Empire, qui a une carrière longue, comme vous pouvez le constater, et qui s'est fait remarquer au Salon de 1863 à Paris par une sculpture au nom un peu étrange, la dévideuse. Donc elle dévide un écheveau de laine ou de soie. Je m'étais toujours demandé quelles pouvaient être les sources iconographiques réelles, en tout cas proches ou moins proches de cette œuvre, un peu étonnante, qui m'intéresse parce qu'elle représente parfaitement un aspect de la sculpture française sous le Second Empire, qui est le moment où on va traiter une scène de genre, une scène un peu anecdotique. Donc ici, cette jeune femme assise, pour être de la meilleure société grecque telle qu'on l'imaginait sous le Second Empire, assise à son travail de femme. Par quoi elle avait pu être inspirée, et surtout comment ce sujet anecdotique est traité finalement par son échelle, ses grandeurs nature, comme un sujet noble, un sujet sérieux. Et en recherchant, je me suis rendu compte que probablement Salmson s'était, entre autres, on va l'explorer ensemble ce soir, inspiré par une œuvre qui à l'époque était extrêmement célèbre, sans doute beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, au moins parmi les artistes contemporains. C'est ce qu'on considérait être Agrippine, l'ancienne assise du musée du Capitole à Rome, qui trône au milieu d'une salle du Palais des Conservateurs, au milieu d'autres bustes impériaux romains. Elle était considérée comme un portrait d'Agrippine, donc du 1er siècle après Jésus-Christ, et désormais, nos confrères archéologues la datent plutôt du 4e siècle après Jésus-Christ, et elle représente de manière certaine l'impératrice Hélène, Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. C'est une sculpture qui, déjà à l'époque romaine, s'inspire d'une sculpture antécédente, d'une figure célèbre d'Aphrodite assise, qui était alors attribuée à Phidias. Vous voyez que plus on va remonter, alors je ne suis pas archéologue, donc on ne va pas épiloguer là-dessus, plus on remonte, plus on voit que les sources d'inspiration, alors je ne sais pas si c'est du pastiche, mais en tout cas c'est un terrain culturel commun, on peut remonter très loin ces tiroirs si on décide de les ouvrir. Alors on va ouvrir quelques tiroirs ensemble. D'un point de vue purement formel, on voit bien, mis à part la différence de position des bras et de la gestuelle, l'inspiration évidemment en général que l'Antique a eue pour Samson, pour sa sculpture. On voit bien que finalement un des accessoires principaux de cette œuvre, c'est la chaise klismos, la chaise grecque, qui était la chaise élaborée à Athènes au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui demeure dans l'Empire romain la chaise élégante et la chaise historique par excellence. Alors évidemment, quand on taille du marbre, on ne peut pas évider sous la chaise, donc le bloc est plein. Évidemment, le bronze permet plus de liberté. Ce qui est intéressant, c'est la similitude, l'inspiration dans les traités du drapé, de la tunique, mais également du manteau. Et la dévideuse, elle travaille, alors que l'impératrice, c'est une impératrice, elle médite, c'est un des gestes de la méditation codifié dans l'Antiquité, elle a son bras gauche accoudé sur le dosseret de la chaise klismos. Donc observons notre dévideuse de 1863. Elle est très sage, elle est bien installée sur sa chaise. Vous voyez que Salmson a pris le soin de reconstituer, à peu près comme on l'imaginait, à partir des vases grecs, on va revenir sur les vases, cette fameuse chaise. Et surtout, vous avez sur le côté cette corbeille à ouvrage qui peut sembler un peu fantaisiste, mais qui ne l'est pas. Alors, je ne sais pas si vous le distinguez bien, donc dans sa main, elle tient un petit dévidoir, une espèce de rouelle dentée, qui là aussi se voulait une référence à certains objets archéologiques dont on considérait que l'attribution originale était celle-ci. Probablement y avait-il au XIXe siècle un fil pour accentuer l'illusionnisme qui partait de la rouelle et qui allait dans les chevaux. Une autre vision, et de l'autre côté où on voit très bien, évidemment, la signature, vous voyez, on ne peut pas la rater, et la fameuse corbeille. Alors, si on cherche des sources, le petit jeu des sources, toujours un peu complexe, on pense à des sculptures, là encore, on va montrer que des sculptures qui étaient très connues au XIXe siècle, à la période où Samson a pu s'en inspirer. Cette réplique grecque d'un original plus ancien, la suppliante Barberini, qui était présentée au musée du Louvre, très connue par des moulages. C'est plutôt pour le draper, parce qu'évidemment la position de l'ensemble est un peu différente et elle n'est bien entendu pas assise sur une chaise. Donc, pour se les remettre en mémoire, vous voyez que l'impératrice a les jambes croisées et sur un petit tabouret repose-pied qui sied à la dignité de son statut impérial. La dévideuse, elle, c'est vraiment quelqu'un, si jamais elle a pu exister, que la spectatrice et le spectateur du Second Empire, à laquelle ce spectateur ou cette spectatrice va pas immédiatement s'identifier. C'est une jeune femme de la bonne société dans son travail d'ouvrage, comme je vous le disais à l'instant. L'impératrice, elle a un coussin, ce qui n'est pas le cas de notre dévideuse. Cette sculpture, donc, était considérée, à l'époque comme Agrippine, et bien entendu, lorsque Canova imagine de représenter Laetitia Bonaparte, Madame Mère, la mère de Napoléon Ier, il va, lui, en revanche, quasiment pasticher, recopier la sculpture du Capitole. Donc voici un plâtre qui est conservé à Naples au musée de Capodimonte, mais cette œuvre était connue en France puisqu'un exemplaire existe et présenté depuis assez longtemps au palais de Compiègne. Mais peut-être pour chercher d'autres sources plus modernes, qui elles-mêmes regardent vers l'Antique, il faut se diriger vers les salons de la Deuxième République et vers une œuvre qui a eu une très grande célébrité à l'époque de Cavelier, Pierre-Jules Cavelier, Pénélope, qui est aujourd'hui dans le vestibule de l'escalier du château de Dampierre, en région parisienne. Et cette œuvre très célèbre, vous le voyez, s'inspire, tout en la réinterprétant à sa façon, sur un sujet d'histoire, entre guillemets, noble, Pénélope dans l'attente du retour d'Ulysse. Ce qui nous intéresse, c'est que bien entendu, elle est assise sur une klismos. Alors pardon pour cette mauvaise photographie, mais la klismos est un peu rustique, un peu plus lourde. Elle a toujours le coussin qui vient de l'Agrippine du Capitole, elle a toujours le repose-pied. Bon, après tout, Pénélope est une reine, c'est la reine d'Ithaque, n'est-ce pas? Elle a les bijoux qu'il convient, elle s'est endormie et dans sa main, elle tient la quenouille de son filage, de cette tapisserie qu'elle fait et défait pour évincer les prétendants. C'est un sujet qui manifestement intéresse, ce sera notre seule incursion en peinture pour ce soir, d'autres artistes, une œuvre de jeunesse de Bouguereau, Ulysse reconnu par sa nourrice, hein, bon, et vous voyez sur la droite, Pénélope, rêveuse, qui là aussi est absolument dans cette même source d'inspiration. Alors on ne sait plus, la sculpture, la peinture, c'est un détail très intéressant. Une autre œuvre que Salmson n'a pu méconnaître, c'est la Sappho de James Pradier, sa dernière œuvre, exposée avec un crêpe noir au salon, puisque Pradier venait de décéder, qui est une œuvre extrêmement importante au XIXe siècle, puisqu'elle a été considérablement diffusée. Cette forme a été considérablement diffusée par l'édition, les réductions en bronze ou en d'autres matériaux. C'était un des dessus de pendule favoris des débuts du Second Empire. Ça va se continuer un peu après, d'ailleurs. Cette représentation de Sappho, qui, elle aussi, vous le voyez, réinterprète l'Agrippine. On va l'appeler Agrippine pour ce soir, puisque c'est ainsi que Pradier et Salmson l'auraient appelée de toute façon, l'Agrippine du Capitole. Bon, évidemment, là, Sappho est sur son rocher du Cap Leucade, elle va se suicider, elle médite à sa mort prochaine, mais vous voyez que la tonalité générale est bien celle de la Pénélope de Cavelier et, une fois de plus, de l'Agrippine du Capitole. D'ailleurs, Pradier en a fait une variante, plus élégante, plus parisienne peut-être, dirions-nous, dans les années 1850, où cette fois-ci, elle nous intéresse pour l'accessoire. Vous voyez, c'est pas une clismos, c'est un tabouret, un peu de fantaisie. Il n'y avait pas de tabouret comme ça, je pense, dans l'Antiquité. On dirait plutôt une parisienne de la haute société qui s'est travestie pour un tableau vivant. On est plutôt dans cette optique-là. Mais vous voyez que le seau, la boîte à rouleaux de poésie, hein, pour la poétesse Sappho, n'est pas sans évoquer l'accessoire qui, lui, va caractériser notre dévideuse, à savoir la boîte, enfin le panier à ouvrage. Alors, c'est une œuvre un peu polychrome avec des rehauts de bronze doré, typique de la production de luxe de ces années-là. C'est un thème qui intéresse très clairement cette femme, une femme assise à l'antique dans les années 1860. On peut en trouver un exemple parmi d'autres, je vous ai montré que ça ce soir. C'est cette femme assise par Jean-Baptiste Carpeaux, le grand sculpteur du Second Empire. Et vous voyez que Carpeaux reprend et réinterprète, avec toujours ce geste de méditation, l'Agrippine assise du Capitole. Alors on va essayer de rechercher des sources. Alors, au départ, ce fut assez décevant. J'avais quelques idées en tête, dont ceci, qui est une stèle extrêmement célèbre, y compris au XIXe siècle. Bon, malheureusement, ça ne marche pas. Elle a été découverte en 1879-80, donc Samson n'a pas pu la connaître. Ce qui est très intéressant, c'est le geste d'Egezo, donc cette femme attique du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est une stèle qui a été trouvée au cimetière du céramique à Athènes. Le geste là est différent puisque la servante tend à Egezo sa boîte à bijoux et Egezo est en train d'examiner des bijoux qui probablement dans l'Antiquité étaient soit en bronze doré rapporté, inséré, soit peints sur le marbre directement puisque ces objets, comme vous le savez, sans doute étaient peints et pas du tout blancs. Vous voyez quand même que le geste est assez intéressant, donc, mais c'est un geste courant finalement dans l'art antique, on va le voir. Juste un rappel de notre dévideuse. Alors il y avait ça que je trouvais bien intéressant, qui est une fresque sur fond blanc, qui imite ce qu'on appelle la peinture sur fond blanc pour certains vases grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ, principalement des vases funéraires, des lécythes. Le Louvre en conserve une très belle collection. Et on trouve au XIXe siècle, sous la villa de la Farnésine, une villa romaine extrêmement luxueuse. Alors c'est évidemment une découverte archéologique majeure au XIXe siècle, mais malheureusement ça ne marche pas encore parce que c'est 1878 et nous cherchons quelque chose qu'on aurait pu vraiment voir avant 1863. Mais là, encore, vous voyez, le geste est très intéressant. En revanche, elle n'est pas sur une clismos, elle est sur un tabouret proprement romain. Donc on va retourner vers les vases grecs. Et là, donc, dans ce peintre de Syriscos, alors je ne suis pas antiquisant, ne me demandez pas des détails, qui peignait au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, c'est un potier peintre, on voit très clairement cette jeune femme qui est en train de montrer à cet homme une couronne probablement de myrte ou de laurier avec une colombe, c'est probablement une scène amoureuse. Vous voyez qu'elle a ses petits accessoires de toilette, de femme élégante aussi, accrochés au mur. Le miroir au milieu de la composition, l'alabastron qui est le petit récipient dans lequel on conserve les huiles parfumées ou les onguents, et surtout, ah, la voilà, notre corbeille à ouvrage. Donc ça, c'est un vase qui était connu depuis la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Il est conservé au musée de Berlin et il était reproduit par ce genre de gravure au trait qui était largement diffusée, en tout cas dans les milieux artistes et archéologiques, par le biais de la gravure. si la technique me trahit, non. On retombe à nouveau sur Sappho. Alors là, c'est un recueil un peu plus tardif, mais le vase était connu antécédemment, où on voit Sappho couronnée par ses amis, mais vous voyez bien qu'elle est assise avec, sur une clismos. Là, on voit parfaitement, pour ceux qui s'intéressent à l'ébénisterie antique, ben, comment l'objet fonctionne avec ses tenons et ses mortaises. Et on retrouve cette figure saphique qui, je pense, a une influence considérable sur la conception de notre dévideuse. Mais c'est peut-être un dessin, pas un chef-d'œuvre, je vous l'accorde, d'Adolphe Yvon, qui se faisait plutôt connaître dans les années 1850-60 par des grandes peintures de bataille à la gloire des campagnes de Napoléon III en Italie, par exemple. Alphonse Yvon, comme tous les artistes de l'époque, copie des vases grecs et surtout il les calque. Ingres fait la même chose. Et donc, dans ce calque, conservé au département des arts graphiques du musée du Louvre, il a calqué un recueil qui lui-même présente des relevés de vases antiques. Et là, on voit très clairement, je pense, voilà la source de notre dévideuse. C'est un vase qui est conservé à Londres au British Museum. Et là, on voit exactement la chaise clismos, la fameuse corbeille, enfin il y en a deux d'ailleurs, regardez de chaque côté, et la position finalement un peu ramassée de la composition de Samson, hein, les pieds bien à terre, et elle est en train, avec son petit instrument, de dévider son fil pour son travail. L'œuvre de Samson a été très diffusée au XIXe siècle, aussi par le biais de l'édition. On pouvait l'acquérir grandeur nature, voire en fonte de fer si on voulait la mettre dans un jardin, mais également en bronze dans différentes tailles si on voulait préférer la disposer dans son intérieur. Elle a été tout de suite gravée dès les comptes rendus du salon de 1863. Elle a été également moulée par l'atelier des moulages du musée du Louvre. C'est vraiment une œuvre très célèbre. Tout le monde félicite Samson pour cette œuvre qui lui apporte une certaine notoriété. Alors évidemment, l'époque, je vous le disais au début, se retrouve parfaitement dans cette scène qui n'a aucune implication politique, qui n'a aucune implication historique, qui est grandeur nature et qui, je vous le disais, élève au rang de la sculpture sérieuse, pensez à Laetitia Bonaparte, un sujet qui n'en est pas un, une femme antique qui dévide, c'est au mieux une représentation sur des vases funéraires antiques qui avaient un usage très particulier. Elle est à ce point-là admirée qu'on la retrouve dans une réplique en bronze dans la cour du lycée Foriel à Saint-Étienne. Samson en réalise une réplique en marbre pour une collection célèbre au Danemark, la Nicarlsberg Glyptothèque, qui voulait posséder des œuvres françaises éminentes, donc la dévideuse en fait partie. Et surtout, elle va très clairement inspirer toute une production plutôt décorative. Ici, Mathurin Moreau, qui se faisait vraiment connaître à cette époque-là par ses sujets décoratifs qui inondaient le marché. Donc vous avez ici une fileuse, bon, dévideuse, fileuse, on reste dans les travaux féminins, à l'antique. Ici, de manière plus anecdotique, plus sensuelle, vous voyez aussi que la tunique tombe, dévoilant la moitié d'un sein, mais toujours ces allégories pittoresques de jeunes femmes dans l'exercice d'un travail considéré comme purement féminin. On aura d'autres fileuses, donc on va ouvrir un peu sur la collection. La fileuse de Mégare de Barias, là aussi une œuvre importante, conservée dans nos collections, où l'Orient se mêle à la Grèce antique, hein, l'Orient considéré à l'époque comme le dernier conservatoire de ce qu'avait pu être l'Antiquité, et vous voyez ce jeu entre la quenouille et la main qui est en train de dérouler le fil. Ce que je trouve plus intéressant, c'est le travail de quelqu'un qui est alors un jeune sculpteur, qui va présenter au salon de 1870 une œuvre qui va attirer l'attention et qui, je pense, c'est l'hypothèse que j'aimais ce soir, est la réponse naturaliste, la réponse moderne à la dévideuse de Samson. Très clairement, Dalou, s'il s'intéresse à l'Antiquité, ne va pas s'y intéresser pour la représenter de cette manière aussi référentielle. En revanche, c'est une scène naturaliste qui va l'intéresser et il va réinterpréter, pensons à toutes les images que nous avons vues, ce thème de la femme cousant, de la femme brodant, de manière moderne. Donc ici, cette jeune femme, qui est dans son intérieur. Alors elle est assise non pas sur une chaise Clismos, mais sur une chaise de style probablement Louis XVI, telle qu'on l'affectionnait sous le Second Empire. Elle est dans une tenue d'intérieur, elle est chez elle, hein, elle n'est pas en représentation, et elle est en train de broder. Il y a une variante qui s'appelle la couseuse. Elle est coiffée à la mode de 1870. C'est une femme de la société élégante, là encore. C'est surtout une très belle scène d'intimité. Et là aussi, alors ce n'est pas le cas de l'exemplaire que je vous montre, mais à l'origine, le premier exemplaire montré par Dalou était lui aussi grandeur nature. Mais finalement, la proposition de Dalou, en se voulant plus moderne et en s'inscrivant dans la réalité quotidienne de l'époque, de 1870, je vous le rappelle, c'est le dernier salon du Second Empire, c'était une façon de proposer une dernière relecture, peut-être la dernière relecture dans l'esthétique qui caractérise les œuvres conservées dans notre collection, de ce très lointain ancêtre de l'Agrippine, assise du Capitole. Et d'ailleurs, Dalou va lui-même rebroder, si je peux me permettre, sur ce thème. Nous avons la liseuse, probablement Madame Dalou. Là aussi, elle est dans un déshabillé, une robe d'intérieur, assise sur une chaise de style Louis XV. Et c'est une œuvre, enfin les deux d'ailleurs, qui vont être aussi largement diffusées par l'édition. En 1871, Dalou, compromis par ses positions républicaines et ses positions en faveur de la Commune, va s'exiler à Londres, comme beaucoup d'artistes français. Il va être condamné par contumace et ne pourra rentrer qu'au moment de l'amnistie générale à la fin des années 1870. Et ce sont des œuvres qu'il va exposer en Angleterre et qui vont être acquises, pour certaines d'entre elles, par des grands collectionneurs anglais et qui vont probablement participer de ce renouveau de la sculpture anglaise à partir des années 1870. Mais vous voyez, je pense que ce genre d'œuvre, c'est vraiment la réponse moderne à la dévideuse de Samson, qui elle-même procédait de l'impératrice Hélène assise du musée du Capitole. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans le temps, dans les deux sens, ne nous a pas trop ennuyés.